Bon, il est 14h20. L'enregistrement chez French Bee, je crois que c'est 4 heures avant le décollage. Décollage, c'est quelle heure? 18h30. Donc normalement, ça ouvre à 14h30 pour l'enregistrement. On va vous filmer un petit peu le parcours qu'on va faire, parce que je sais qu'il y en a qui sont assez stressés dans les grands aéroports, du parcours à faire, etc., qui sont un petit peu perdus. Du coup, on va essayer de filmer tout ça. Donc là, on arrive à Orly 4. Donc une fois que vous arrivez à l'aéroport, en fait, vous avez les grands panneaux d'affichage. Donc vous allez regarder, je vous montre après. Vous allez chercher votre compagnie. Vous avez même le numéro de vol ou la destination. Sur la même ligne, vous allez avoir le numéro de borne d'enregistrement qui va s'afficher. Ça affiche le numéro de vol avec la destination. Donc nous, c'est San Francisco, pas pété parce qu'on part à Tahiti. Et on peut commencer à s'enregistrer à partir de 14h30. On s'en rend presque les premiers. Ça y est, on a récupéré les billets. Maintenant, on va du coup déposer nos bagages en suite à l'enregistrement. C'est prêt? C'est son premier long voyage. Son baptême de l'air. C'était quoi ta destination la plus longue? Santorin. Santorin? Non, t'avais pas fait les Canaries? Équivaut, ça se vaut. 3h45 de vol. Là, il va en faire 22. 22. Donc ensuite, à l'enregistrement, du coup, on nous a donné un nom de porte. Donc là, c'est porte F. Du coup, il y a juste à suivre les lettres. Rien de compliqué. Puis du coup, on va aller passer les fils directement. Comme ça, si on peut s'arrêter manger un bout, parce qu'il va être 15h. Si vous allez à Papeete via France, n'oubliez pas de faire l'ISTA. Voilà, nous on l'a fait 2 semaines avant et encore en 3 jours on a reçu la réponse pour l'ESTA, même pas. Là on arrive à la porte F. Là vous allez arriver au filtre et quand vous passez les filtres, vous enlevez bien liquide, batterie, tout. Et pour les liquides, alors chaque contenant ne doit pas dépasser 100 ml et le tout ne doit pas dépasser 1 litre. Bon bah c'est bon, on a passé les filtres, 5 minutes, top chrono. Du coup on va aller manger là, t'as faim? Il est là. T'as dit quoi? On n'a pas mangé depuis quand? Hier soir, hein. Fini les filtres, donc les pifs, post-inspection filtrage. Maintenant, on va passer à la douane. Donc, une fois que vous avez traversé le pif et la paf, vous retournez vers le panneau d'affichage. Et là, vous retrouvez votre vol. Donc, nous, on a San Francisco Papeete French Bee. Et il faudra juste aller au numéro de porte indiqué. Bon là, c'est pas indiqué parce qu'il est encore tôt, il est 15h, donc on va attendre. C'est bon, on a embarqué. Vous savez, on est dans l'avion, là, jusqu'à San Francisco, on a 11h20. De vol et après 8h15. San Francisco, là il est quoi, 20h? Quelle heure? 20h50? Il est 6h du matin chez nous. Ils nous ont donné une petite carte orange là, que Rémi a dans les mains, c'est pour le transit.
cassé les nerfs après avoir attendu une heure et demie pour la location de voiture. N'oubliez pas de mettre dans votre valise votre patience, parce qu'il en faut, je pense, pour aller jusqu'ici. Par contre, faites attention aussi au forfait téléphonique. On a à peine enlevé le mode avion que on s'est fait retirer 60 balles chacun. Donc à l'aéroport, ils vendent des cartes SIM au cas où. Là, on va aller prendre le ferry jusqu'à Montréal. Bon, là, on est parti pour prendre le ferry Arémiti 2. La voiture, elle est juste là, la titine. Le conducteur qui est dans le véhicule, il monte avec le véhicule, avec le ticket pour le véhicule et le conducteur. Et le passager, il prend son ticket et il monte à l'étage en zone d'embarquement. Je sais pas où, on y va. On va essayer de trouver le chemin sans GPS surtout, parce que... On est arrivé au Airbnb, on va faire un petit tour. Là, on a la cuisine, salle à manger, salon, tout ce qu'il faut. On a même une petite terrasse, il me semble. Nickel. On a deux chambres, on a une première ici. Bon, elle vient de nous les climatiser, donc c'est pour ça qu'elle a mis tout au frais. On a une petite toilette. La salle de bain. Là, on a un espace buanderie, machine à laver, etc. Et une autre chambre. Alors celle-ci, elle est super climatisée. Et voilà, la petite vue sur la terrasse.